Et donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, donc Adobe Premiere Pro, je ne vous le cache pas, c'est un tutoriel vraiment très efficace. Donc je vais vous montrer tout d'abord la vidéo non stabilisée et ensuite la vidéo stabilisée pour voir vraiment les différences. Alors là vous allez vraiment être très impressionné puisque c'est vraiment très rapide, très facile et efficace. On remarque vraiment que sur cette vidéo l'image n'est pas du tout stabilisée. Et que sur celle-ci, vraiment, la différence est claire, nette et précise. On remarque qu'elle est vraiment stabilisée. Et donc, on est enfin sur Adobe Premiere Pro. Donc, j'ai déjà importé la vidéo dans la petite playlist ici. Je l'ai mis donc dans la timelapse. Et c'est parti, on voit bien la vidéo qui bouge, etc. Alors effectivement, elle bouge beaucoup comme vous l'avez vu. Et la manipulation va être très simple et très rapide. Il suffira juste de cliquer sur la vidéo, donc un clic gauche, aller tout simplement dans donc les effets, ici. Et vous allez marquer juste stable. Et là, vous avez stabilisation de déformation. Vous allez cliquer gauche et vous allez le mettre, donc sans lâcher, sur la vidéo. Et là, vous allez avoir analyse en cours d'arrière-plan. Donc, une petite bannière bleue va s'installer avec étape 1 sur 2. Et donc, vous allez avoir donc les paramètres de la stabilisation donc sur cette petite page à gauche qui va s'appeler option d'effet. On voit bien ici donc 89% effectivement. Et il faudra juste attendre que l'analyse se termine. Et donc après l'analyse avec la bannière bleue, vous allez avoir cette bannière orange marron qui va vous définir donc la stabilisation en cours. Donc une fois ceci terminé, voilà, votre vidéo elle est stabilisée. Donc voilà ce que ça donne après l'effet. Et donc merci d'avoir regardé ce tutoriel, n'hésitez surtout pas à me poser la moindre question en commentaire, mettez un pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos, ciao tout le monde.